Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Alors voilà, je vous retrouve au potager qui dit non sur cette belle journée de début août. On vient de prendre quelques jours de vacances. Hein. On est parti un peu visiter le Marais Poitevin pendant une bonne semaine. Une semaine pendant laquelle le jardin était un peu livré à lui-même. Il y a eu juste quelques récoltes. Voilà, qui ont été réalisés par les copains, mais c'est à peu près tout. Et bien évidemment, dès qu'on est rentré hier, à peine les valises posées, il a fallu qu'on vienne faire notre petit tour quand même. Le potager nous manquait terriblement, et on a eu un certain nombre de surprises. Bon, déjà, effectivement, les gazons fleuris sont en train de décliner, hein, de manière tout à fait naturelle. Alors, l'usage veut que l'on procède à la fauche, en quelque sorte, de ces parcelles de gazon fleuri, un peu plus tard encore, de manière à ce que tout soit en graines, et que ces graines permettent de perpétuer ce gazon l'année prochaine. Mon expérience du paysage m'apprend qu'effectivement c'est pas quand même super efficace, et étant donné le peu de surface hein, qu'on a réalisé sur ce modèle là, on reprendra de la graine neuve l'année prochaine, ce sera d'autant plus fourni. J'essaierai quand même de récupérer un peu de graines de facélie peut-être, mais c'est à peu près tout quoi. Voilà, donc il faudra quand même donc qu'on ait ces zones-là nettoyées un petit peu prochainement. Ça sera quand même plus attrayant, hein, disons, une fois qu'il y a vraiment plus de fleurs, on essaiera de nettoyer un peu tout ça. À côté de ça, j'ai mes fameuses structures en noisetier qui ont été effectivement colonisé correctement par les haricots. Et là, on a eu vraiment de grosses surprises hier, notamment avec les haricots de la variété Blue Yield, hein, donc des haricots qui sont violets et qui doivent devenir verts apparemment à la cuisson. Donc on en a récupéré quelques-uns hier, les plus petits d'entre eux, puis d'autres deviennent tellement gros qu'on va les garder pour les semences. C'est une variété reproductible, hein, donc mais ça c'est... L'apparition des haricots proprement dit, la mise à graines, s'est réalisée de manière à la fois très rapide et puis d'une manière un peu, c'est passé un peu inaperçu. Hein, on s'en était pas rendu compte avant de partir. Alors est-ce que ça s'est fait sur ce temps-là? Est-ce que ça avait démarré avant et puis on l'a pas trop bien vu? Bon, je ne sais pas trop dire, mais toujours est-il que là on se retrouve avec des haricots vraiment énormes. Ce que je vais faire également aujourd'hui, c'est donc arracher au moins une de nos deux parcelles de pommes de terre, de manière à libérer de la place hein, dans le jardin, puis pouvoir entreprendre d'autres repiquages. Est-ce que je vous dis là d'emblée, tout de suite, avant de constater le résultat hein, de cette plantation qui était réalisée sans butage, hein, si vous vous souvenez, c'est qu'on ne remettra pas de pommes de terre l'année prochaine, quel que soit le résultat. Hein. Pourquoi ? Ben simplement parce que on préfère quand même occuper l'espace avec d'autres légumes, j'allais dire plus nobles, en tout cas qui nous intéressent davantage, quoi. Voilà. Hein. Mais bon, voilà, ça va être un petit peu la surprise, là, la verdure est en train de faner hein, sur le dessus des pommes de terre, on va voir un petit peu si cette technique a fonctionné ou pas pour cette année. Et puis ensuite, on va repiquer un certain nombre de choses, alors des salades, puisque les salades qu'on utilisait au printemps ne fonctionnent plus aujourd'hui, et puis du chou chinois, des navets, des choses comme ça qu'on va pouvoir repiquer de manière à réinvestir l'espace libéré par ces pommes de terre. Allez, on y va. Bon, bien voilà ce que j'obtiens comme pomme de terre. C'est pas terrible, hein, sur 2,5 mètres au carré. Hein. Bon, voilà, c'est... Bon, je sais pas combien il peut y avoir là, peut-être un petit
Un petit 8 kilos, je dirais, plus ou moins, c'est pas, ça me semble pas être grand chose. Je crois que la baraque à frites du coin n'a pas à s'en faire. On va rester mon client. Voilà. Bon, on va pouvoir réinvestir un peu cet espace avec d'autres choses, c'est très bien. Parce que finalement, bon, j'ai essayé de garder les plus petites d'un côté, les plus belles de l'autre, mais ça me semble pas vraiment satisfaisant. En tout cas, je ne pense pas que la technique soit en cause. D'ailleurs, il n'y a pas de pommes de terre qui ont verdi hein, du tout, hein, malgré le fait que je n'ai pas buté. Je pense en revanche que la gelée dont ont souffert ces pommes de terre à un moment donné, hein, la gelée qui m'avait causé de gros dégâts par ailleurs, hein, dans la serre notamment, puis la sécheresse qui s'en est suivie, bon voilà, ça fait quand même deux gros facteurs climatiques clairement défavorables aux cultures d'une manière générale, et donc j'ai pas de mal à imaginer que ça ait un peu compromis le développement normal de ces pommes de terre. Mais bon, de toute façon, on n'aura pas l'occasion de vérifier la technique, hein, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, on va renoncer aux pommes de terre sur ce potager au profit de, eh bien, d'autres légumes qui nous intéressent davantage. Bien, alors voilà, c'est terminé. La parcelle est donc réinvestie effectivement par d'autres légumes. Alors, des choux chinois. Là, on est vraiment dans la bonne période pour ça. Des choux chinois en mini-mottes, des salades ici pour lesquelles l'étiquette nous mentionne bien que ces salades sont à semer et repiquer toute l'année. Donc voilà, espérons qu'elles se développent correctement. Là, elles sont un peu, elles ont pris le coup après le repiquage. Bon, j'espère qu'elles vont se redresser correctement, à suivre. Quelques navets également, choux rouges peut-être en prévision de cet hiver. J'aimerais vraiment qu'ils aient le temps de se développer ici fin d'été et puis cet automne pour être consommables cet hiver. Il est peut-être un peu tard quand même, on verra bien. Et navets de nouveau, choux, salade, voilà. On est un peu dans ce type de mélange sur cette demi-parcelle. Effectivement, quand je vois ça, je me dis que l'espace est beaucoup mieux occupé de cette manière que par des pommes de terre. C'est assez évident. Ah oui, j'ai alors récolté effectivement quelques betteraves comme Séverine me l'avait demandé. Vous voyez, elles sont très très belles, hein. C'est les betteraves. Ça, c'est la noire plate d'Égypte. Ah, elle est vraiment tout à fait excellente. Je vous la recommande vivement. Par ailleurs, bon, je ne filme pas chacune des récoltes, hein, on n'en finirait plus, mais sachez qu'on a très très bien réussi avec les échalotes également, pour lesquelles j'ai pris soin d'attendre que les verdures soient fanées, pas comme avec les oignons. On récolte beaucoup de tomates cerises, bon, les betteraves évidemment, les côtes de bête, ça marche très bien également, les haricots verts, ça c'est super. Bah regardez, les citrouilles ou potirons deviennent très très beaux eux aussi. D'ailleurs, dans la serre, j'ai fini par décrocher les potirons que j'avais soutenus avec des petits paniers suspendus. Ça commençait à plier ça commençait à faire plier en fait la structure de la serre. Donc ça prend du poids. Donc j'ai réussi à les décrocher avec un petit coup de main et puis à leur trouver une petite place par terre. Donc ils continuent leur développement sous la serre. Voilà. Enfin voilà, hein, c'est pas mal de récoltes là entre deux. Les tomates sous la serre également, même si je vous en reparlerai probablement, mais je pense quand même que l'année prochaine, il faudra que je me résolve à tailler un tout petit peu parce que j'ai vraiment pas suffisamment de place pour me permettre de les laisser dans leur développement naturel. Hein, les gourmands de la base du plant se développent très loin à l'horizontale. Et ça commence à être sérieusement fouillis tout ça. J'ai pas de problème de maladie, rien de ce genre pour le moment. Il y a beaucoup de fruits, mais c'est vraiment pas simple à récolter, quoi. Voilà. Bon, on en reparlera en temps voulu, mais je pense vraiment que l'année prochaine, j'essaierai peut-être de, disons, d'ajuster un petit peu ma pratique au sujet de la serre. Les concombres qu'on a récoltés aussi en abondance, par exemple, se développent aussi bien dehors que sous la serre. Donc, je pense que l'année prochaine, il ne sera pas utile
de planter du concombre sous la serre, autant libérer la place pour d'autres plantes. Voilà, un petit peu pour ce qu'il en est ici, début août, enfin presque mi-août. Je vous précise également que bien entendu je vais laisser ces plantes se développer un petit peu là, se retaper suite au repiquage, et je reviendrai disposer du foin entre les lignes de manière à réobtenir un paillage voisin de celui que j'ai sur les autres cultures, même si ça ne sera jamais la même chose qu'un paillage de foin déposé en hiver dernier et qui a eu le temps de se rasseoir avec les intempéries. Ça sera sensiblement différent, mais néanmoins, il y aura bien un paillage là entre chacune de ces lignes. Je préfère quand même que notamment les salades là, se redressent un peu avant de procéder, simplement. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui, donc merci de m'avoir suivi, et puis je vous retrouve très bientôt au potager qui dit non. Ciao, ciao!